parti signataire à commune d'Anayo. Comme monde qui a participé à l'assassinat, l'ex-président Jovenel Moïse. Ariel Henry. On va repousser les mêmes. Par le président Jovenel Moïse et que décision ça lui prend pour non seulement protéger son frontalier mais pour protéger l'environnement. Dans ce sens, nous-mêmes, là nous voyons que le nom est Ariel Henry, il prend décision pour lui révoquer le directeur Bessapla et pour demander à Jean Bessapio pour le désarmer. Là, nous voyons que nous en présence de criminels. Parce que le pays a tout côté, c'est négatif avec ça. Alors que l'agent Bessapio, il est là non seulement pour le protéger, il est là tout pour le sécuriser conformément à la loi. Vous êtes ça même, nous portons le contre Ariel Henry pour usurpation de titre. Parce que non seulement monsieur a installé illégalement dans la primature, mais il a posé des actes
qui relève de la compétence de chef d'État, conformément à l'article 56 de la Constitution. Nous portons plainte contre Monsieur A pour association de malfaiteurs, ligue et connivence avec des gangs armés. C'est peut-être ça, nous-mêmes, avocats, nous-mêmes qui avons défendu collectif, parti politique, avec toute organisation qui aurait dans le cadre de ça, nous portons plainte contre le nommé Ariel Henry pour que le commissaire gouvernement mette l'action publique en mouvement. Comme nous connaissons le commissaire gouvernement, nous connaissons que c'est un agent de l'exécutif là. Cette même plainte sera déposée par le cabinet d'instruction. Parce que devant le cabinet d'instruction, depuis Ariel Henry pas paraître, juge d'instruction, des provisions légales, des provisions constitutionnelles, des provisions pour que vous décerniez un mandat d'amener contre Ariel Henry pour usurpation de titres et de fonctions, fausse qualité, trahison, délit politique et association des malfaiteurs. Pour ça, la demande de la presse, accompagnez-nous, la demande de la presse, accompagnez-nous dans le greffe paquet de Port-au-Prince pour nous capables à déposer plainte ça conformément à la loi. Merci beaucoup. En allez. Bon, nous venons déposer une plainte à l'encontre Ariel Henry et chef d'accusation, c'est usurpation de titres et de fonctions, non-assistance à personne en danger, assassinat, tentative d'assassinat avec commencement d'exécution, crime de haute trahison, conformément aux prescrits de la Constitution, les conventions et les lois républicaines. Malheureusement, nous venons déposer plainte là. Un, gagner un agent de sécurité qui fait obstacle avec plaignant. Deux, agent et responsable paquet refuser de recevoir plainte là. Non, mais nous, parce que c'est pour Ariel Henry, nous venons déposer, contre Ariel Henry, nous venons déposer plainte là. Et même journalistes font objet d'actes d'agression physique. Nous dénonçons fermement. Et nous prenons responsabilité pour nous dire nous allons déposer plainte ça, pas devant le cabinet d'instruction, par le fait que le commissaire du gouvernement, c'est Timoun qui était avec le gouvernement. Et nous avons déposé plainte ça, nous avons demandé à l'administrateur tribunal là pour prendre responsabilité. Pour le bailler un juge qui a caractère, qui a capacité, qui a compétence pour que il mène instruction ça à bon port. Parce qu'il y a trop de crimes qui font dans le pays. Parce qu'il y a trop de misère dans le pays. Qu'il y a trop de dégâts faits dans le pays. Et Ariel Henry et son équipe, pas Jean Pipemo. Eh bien nous-mêmes, nous prenons responsabilité nous, devant l'histoire, devant la vérité, devant le peuple haïtien, côté que nous déposons plainte formelle et nous mettons la justice haïtienne devant un fait accompli. Nous mettons la justice haïtienne face à responsabilité pour nous capables de suspendre avec vagabondage, avec criminalité, avec vol, avec pillage, avec paupérisation dans la société haïtienne.
n'a fait reconnaître qu'il y a des gens dans le pays, qu'il y a des gens qui connaissent la loi, qu'il y a des gens qui maîtrisent les dispositions constitutionnelles. Et c'est sur base à nous venons déposer plainte. Et du même, nous avons dénoncé le comportement du commissaire gouvernement, M. Elnor Guillaume. Monsieur Elnor Guillaume, qui n'est pas fait. Elder Guillaume. Monsieur Elder Guillaume, qui n'est pas fait histoire bancaire. Monsieur Elder Guillaume, qui n'est pas fait jurisprudence bancaire. La liberté d'expression est garantie par la Constitution. Et ici, là, c'est la maison du droit. C'est la maison des avocats. Nous avons le droit pour nous parler. Nous avons le droit pour nous exprimer nous librement par devant qui le droit. Nous avons le droit pour nous exprimer nous par devant la presse. Aujourd'hui, nous venons déposer plainte contre le nommé Ariel Henry pour usurpation de titre et de fonction fausse qualité, pour trahison, pour association malfaiteur et pour délit politique. Liguer, nous tous capables de ça aujourd'hui. Nous capables, il y a kidnappé, même madame Sarah, il y a kidnappé dans le pays. Ça sont des choses qui sont graves que lié. Ça arrive trop loin. Ils n'ont pas attaqué les machins. Ils ont attaqué les étudiants. Ils ont attaqué les élèves de l'école. Ils ont kidnappé les avocats. Ils ont kidnappé les ingénieurs. Ils ont kidnappé les docteurs. Jodi, ils ont kidnappé madame Sarah. Nous venons constater que Ariel Henry est de connivence avec les bandits. Il est de connivence avec les bandits. Comment se fait-il? Quel choisit? Pour révoquer le directeur de Sabla. Comment se fait-il qu'elle demande pour agent de Sabla déshabillé pour retirer sa nomme? Il y a un complot contre le peuple haïtien. Oui, il y a un complot. Son façon pour ne qui des amis, ne qui des amis illégalement, pour être capable de prendre terrain. Et ça que l'on dit à nous, que le pays a dirigé par un hors la loi, par un criminel notoire. C'est ça que l'on dit à nous porter plainte contre Ariel Henry. Pour association de malfaiteurs. Nous portons plainte contre lui pour trahison. Pour trahison. Parce que comment nous de trahison? Parce que comment Ariel Henry fait installer propre tête lui en dedans, primatie? C'est contraire à la Constitution. C'est contraire. Et on dit, il a bouilli que son tweet qu'elle recevait de l'étranger. Sous réserve de certaines considérations légales. Parce que la Constitution a dit que c'est à peine d'expulsion, si toutefois ça t'a fait, c'est à peine d'expulsion, conformément à l'article 57.